we keep on. People. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau sujet de débat. Et cette fois on va parler un peu de la communauté, un sujet qui est très sensible, la communauté vous la connaissez. Donc pour parler de ce sujet, je me retrouve pas sur GTA 5 mais sur Call of Duty Black Ops 2. Vous allez comprendre pourquoi je parle de Call of Duty Black Ops 2, parce que c'est là où la communauté est la plus détestée ou est la pire communauté, que ce soit sur Black Ops 2 ou même sur Call of Duty. C'est sur Call of Duty où la communauté est vraiment horrible. Donc comme chaque débat, vous pourrez laisser vos avis dans l'espace commentaire, excusez-moi. Vous pourrez toujours lâcher un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Partagez si jamais vous voulez que vos amis apprennent la vérité un peu sur tout le reste. Après, si vous trouvez que j'ai raison, faites-le moi savoir. Mais si vous dites que j'ai tort, bah écoutez, ça peut arriver d'avoir tort, hein. Moi je donne mon opinion. Après, si ça s'appelle débat, c'est pour que vous puissiez donner vos avis tout en même temps. Parce que sinon je ferais une vidéo, je dirais je parle de la communauté, point barre, fin de l'histoire. Alors que là c'est écrit débat, donc je vous demande de me parler et surtout de me donner vos avis, parce que c'est ce qui compte le plus. Donc comme je l'ai dit, on va parler un peu de la communauté. Donc déjà, comme sur chaque débat, je vais tout simplement illustrer un peu le sujet. Donc qu'est-ce que la communauté? Une communauté est tout simplement... on gagne. Au passage, je suis en live commentary sur Black Ops 2, hein. Je cherche pas à commenter juste après, hein. Je sais pas le score que ça va être, je sais que j'ai fait une super partie juste avant, enfin bref. Donc du coup déjà, qu'est-ce que la communauté? La communauté est un groupe ou un ensemble de personnes jouant ou pratiquant une même activité. Donc ça c'est déjà la définition de la communauté. Donc du coup c'est le fait de jouer avec énormément de monde ou peu de monde, hein. Le principe c'est de jouer avec des personnes sur un même jeu ou sur un même, ou parler d'un même sujet, ça serait des communautés. Donc la communauté c'est vraiment un ensemble de personnes. Du coup voilà, donc on va parler un peu de la communauté ces derniers temps. Vous l'avez de toute manière compris dans le sujet, vous savez très bien comment et de quoi je vais parler. Après, si je pars sur Call of Duty Black Ops 2, ce n'est pas pour rien. Donc la communauté s'est vraiment dégradée ces derniers temps. Vous l'avez très bien compris, parce que les jeux vidéo se sont vraiment répandus dans la terre entière, hein. On va pas se le cacher, avant les jeux vidéo n'étaient pas autant répandus que ça, hein. Il y avait certes énormément de joueurs, mais la différence c'est que les joueurs étaient matures. Je veux dire par là, c'est-à-dire que les joueurs étaient, faut surtout pas le prendre mal dedans. Dans tout ce que je vais dire, faut surtout pas le prendre mal. Je vais pas parler forcément de vous. Je parle de la communauté en général, donc je parle de moi aussi. Je parle de tout le monde. Donc voilà, il faut pas s'énerver, parce que je vais peut-être dire des choses qui vont vous choquer, mais aussi des choses qui sont vraies. Et après, bah, vous pourrez toujours laisser vos avis dans l'espace commentaire. Bref, donc comme je le disais, la communauté s'est vraiment dégradée ces derniers temps, étant donné que les jeux vidéo, et surtout Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty en général s'est répandu un peu dans la terre entière. Alors qu'avant, faut savoir que ceux qui jouaient à Call of Duty, donc ça veut dire le premier Call of, donc je n'y ai pas joué, donc moi j'ai commencé à jouer à Call of Duty à partir de MW2. Donc la communauté était vraiment, d'après ce que j'entends, donc d'après ce que les gens disent et parlent, la meilleure communauté était vraiment sur Call of Duty 4. Donc moi personnellement j'ai pas eu la chance de pouvoir faire ça, de pouvoir y jouer, parce que je n'étais pas un gamer à l'époque où Call of Duty 4 est sorti. Mais apparemment, d'après tout ce que j'entends, sur Call of Duty 4 la communauté était vraiment excellente, ou était vraiment plus potable que maintenant. Parce que moi je suis arrivé sur MW2 et je vous jure, hein,
Moi, c'était la première fois que je jouais à Call of Duty, ok. Mais au fil du temps, j'ai commencé à m'améliorer, j'ai commencé à comprendre parce que c'était quand même l'un de mes premiers jeux. Et j'ai commencé à comprendre. Mais au fur et à mesure que les jeux et que les Call of Duty sont sortis, je me suis rendu compte que la communauté était vraiment à chier. J'ai même vu la communauté grandir et se dégrader. C'est impressionnant, vous pouvez même pas imaginer. Donc sur Call of Duty Modern Warfare 2, la communauté était encore potable. Maintenant, c'est quasiment injouable. Vous pouvez même plus jouer sur Call of Duty Modern Warfare 2. Hein. Dans tous les cas, si vous allez dessus, soit vous allez tomber contre des mecs qui sont en lance-grenade, ou alors vous allez tomber contre des mecs qui font des lobbies, ou alors qui cheatent. C'est pareil sur MW3. Hier, j'ai fait une partie de MW3 avec des potes. La personne qui était face à nous... ne savait tellement pas jouer que la personne s'était quand même mis en invisible. Donc c'était une classe modée, donc une classe lobby, qui te permet de te rendre invisible. Et du coup tu es quasiment invisible, que ce soit sur la carte comme moi je vois mon pote qui est juste ici. Le mec était quand même complètement invisible, et quand on le voyait, on le voyait même pas sur le radar quoi qu'il arrive. Donc le mec il a quand même fait un peu du 18-0 parce qu'on était en confrontation. Donc du coup le score était pas forcément très élevé. Mais... faut quand même le faire, sérieusement. Vous avez vu un peu la communauté qu'on a. Les mecs, on joue sur un jeu pour le plaisir. Donc je rappelle que jouer, si vous jouez à la console, c'est pour le plaisir et non pas pour faire chier les autres ou pour tricher. Donc vous allez me dire, ouais mais tu fais des glitches et tout. Moi si je fais des glitches, c'est tout simplement pour vous aider à monter sur un jeu. Si je vous fais des glitches d'argent, c'est tout simplement pour que vous puissiez vous faire de l'argent sur GTA V, parce que c'est très dur et que Rockstar sont des radins. Voilà, on va pas se le cacher, Rockstar c'est vraiment des radins. Sur les activités, à chaque fois qu'il y a une activité qui te fait gagner énormément d'argent, vous aurez pu le constater, à chaque fois Rockstar baisse les prix de l'activité afin qu'on puisse pas gagner énormément d'argent et qu'on achète leurs fameuses cartes où il faut dépenser de l'argent. Mais le but d'un jeu n'est quand même pas de dépenser de l'argent, faut le savoir. Si tu joues à un jeu, c'est pour le plaisir, c'est pas forcément pour dépenser de l'argent. Je vais citer des jeux comme des jeux qu'il y a sur Facebook. Pour avancer dans les jeux, t'es obligé de payer. Sérieusement, pourquoi être obligé de payer pour jouer à de jeux vidéo? Le jeu est gratuit, certes, mais si tu l'as rendu gratuit, c'est qu'il y a une raison. Mais non, eux, ils préfèrent faire payer les joueurs. Ce qui est totalement dégueulasse, moi je n'approuve pas ce genre de jeu. Autant payer un jeu et avoir tout gratuit, plutôt que d'avoir un jeu gratuit. Et au final, pour avancer dans le jeu, il faut forcément payer, je trouve ça dégueulasse. Enfin bref, on va revenir un peu sur le sujet, excusez-moi. Je me suis un peu écarté comme chaque débat, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est juste que, voilà, je fais tout ça en freestyle, hein, je vous ai déjà dit. Je prépare rien à l'avance, c'est tout fait en freestyle. Oui, donc la communauté... pour venir un peu à l'été meilleur sur les anciens Call of Duty ou même sur les autres jeux. Personnellement, moi, j'ai vu beaucoup, j'ai mieux vu la communauté se dégrader sur Call of Duty plutôt que sur les autres jeux. Maintenant, des fois, quand je demande à des personnes de venir jouer avec moi sur Call of Duty, la réponse qu'ils me donnent, ou même des fois la réponse que je donne moi, c'est que ce jeu me dégoûte, la communauté me dégoûte, j'ai pas envie d'y jouer. Tout simplement parce que tu vas faire un Call of Duty. Ok, tu vas faire ça pour le plaisir. Donc moi je joue exactement pour le plaisir. Avant certes je jouais pour la compétition, parce que oui j'ai fait de la compétition etc. Mais avant je faisais ça pour la compétition. Donc ça me faisait un peu chier de perdre etc. Certes, ça on l'a tous fait, on a tous testé la compétition et on a tous essayé. Oula. Non, merde, dommage. J'étais presque, enfin bref. Et du coup, maintenant je prends vraiment du plaisir à jouer à Call of Duty. Mais quand je me dis que je vais aller faire une partie de Call of Duty, des fois j'hésite vraiment à me faire une partie, parce que je me dis mais je vais tomber sur une communauté vraiment de merde. La communauté sur ce jeu, faut l'avouer, hein, faut pas mentir. Moi j'étais comme ça avant, je l'assume. Elle est vraiment pourrie. Tout simplement parce que les gens vont commencer à camper, ça on n'y peut rien, c'est le jeu. Mais ils vont commencer à développer des cheats ou des trucs qui sont hors jeu et qui font de l'anti-jeu. C'est quand même exagéré. Des personnes par exemple qui vont s'acheter une rapid fire, donc du coup le mec il va tirer beaucoup plus vite que toi, donc du coup t'es désavantagé. Des personnes qui vont jouer sur la connexion, donc du coup t'es encore une fois désavantagé. Vous allez me dire peut-être que ouais mais si t'as une connexion de merde c'est pas notre faute. Mais si les personnes cherchent à
à faire en sorte que ta connexion parte en couille, ce qui m'est arrivé aussi hier, après que le mec s'était mis en invisible, on est parti lui parler, et du coup le mec, il s'est plus mis en invisible, ok, ça a marché, mais le mec a tellement enragé qu'il nous a quand même viré de sa partie, parce que le mec créait des mods. Donc je suis quand même venu sur MW3 pour m'amuser. Je me suis amusé en partie, je me suis quand même fait virer d'une partie parce que je m'amusais, et surtout parce que la personne, j'étais en train un peu de l'éliminer, donc ils étaient en train de perdre, on les avait humiliés parce que le mec avait quand même gagné avec son invisible, on était en MME, il avait gagné la partie grâce à ça, on lui a dit de retirer, il l'a retiré, et au final, la partie d'après, il a tout simplement perdu. Donc du coup le mec, il a tellement eu le seum qui nous a viré de la partie, il faut vous rendre compte. Je suis venu sur un jeu pour m'amuser et j'élimine une personne, je la bats. La personne trouve comme excuse de me virer de la partie. C'est un peu exagéré quand même, faut le dire les gars. Dites-moi tous vos avis en commentaire parce que c'est vraiment important. Est-ce que ça vous est déjà arrivé des couilles comme ça? Moi personnellement je trouve ça vraiment très dégueulasse. Tu viens sur un jeu pour t'amuser et au final tu te fais virer d'une partie sans aucune raison. Je trouve ça vraiment lamentable. Après, la communauté, il n'y a pas que sur Call of Duty où elle est, où elle s'est vraiment dégradée, mais là où elle s'est le plus dégradée, c'est vraiment sur Call of Duty. Donc il y a vraiment les gens qui ne, entre guillemets, c'est peut-être pas le mot ou l'expression que je devrais utiliser, mais c'est des personnes qui ne devraient pas jouer. Les personnes qui jouent, ça ne devrait pas être des personnes qui devraient jouer à ce genre de jeu à son âge. Personnellement, vous allez me dire oui. Call of Duty c'est plus de 18 ans, ok, moi j'ai pas 18 ans, je l'assume, j'ai 17 ans, ok. Mais il y a une différence entre une personne qui a 10 ans et qui joue à Call of Duty et une personne qui a 17 ans voire 15 ans et qui joue à Call of Duty, sérieusement. Il y a quand même une grande différence. Moi personnellement je suis mature, moi c'est mon opinion, après si vous dites que je suis pas mature, écoutez, j'y peux rien. Moi je suis mature, si je joue à un jeu c'est pas pour embêter les autres, il faut jouer fair play. Les gens qui jouent pas fair play ou des mecs, ça m'est déjà arrivé, je suis tombé en recherche et destruction contre des mecs. Vous allez me dire que peut-être ils font ça pour délirer, etc. Mais il faut aussi penser à l'équipe, l'équipe qui est en face aussi. Moi ça m'est déjà arrivé de faire ça, même plein de fois. Mais au final je me suis quand même rendu compte que ça faisait... Maintenant je me rends compte ce que ça fait. Je vous explique. Donc je suis en recherche et destruction sur n'importe quelle map de Black Ops 2. Donc je vais prendre l'exemple de Raid étant donné que je vais jouer sur Raid. Ça s'est même passé avant-hier. Donc je faisais une partie de recherche et destruction. J'étais avec des abonnés, on était tranquille. On était avec des abonnés, voilà, je les ai invités, on a parlé et tout. Et on a fait une petite partie de recherche et destruction. Donc la première manche s'est vraiment bien déroulée. C'est vraiment déroulé à la perfection. On a gagné la première manche. Les joueurs ont vu qu'on gagnait la première manche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de rester dans le spawn. C'est-à-dire que là où je suis dans le garage, ils y sont restés toute la partie à nous attendre. Et du coup, ils nous ont éliminés. Du coup, ils ont gagné la partie. Sérieux, est-ce que c'est joué? Franchement, dites-moi, donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que faire ça, c'est jouer sérieusement? Moi, personnellement, moi, j'appelle ça de l'anti-jeu. Si tu viens sur un jeu, c'est pour jouer. Après, vous allez me dire, moi, je l'ai déjà fait, c'était pour délirer. Ok. Mais une fois, ok, les mecs ils nous ont quand même mis ça plusieurs fois d'affilée sur la même session, pas sur la même map, pas sur raid, mais dans la même session étant donné qu'on est resté dans l'accueil. Et les mecs ont fait ça quand même pas mal de fois et je peux vous dire que bah c'est vraiment dégueulasse. Personnellement j'ai pas ragé, excusez-moi, j'ai pas ragé hein, moi j'étais fair play. Moi les mecs ils font ça, ok, ils font ce qu'ils veulent, hein, je veux pas leur dire de jouer comme je joue moi, c'est-à-dire rusher à 100%, mais faut quand même se remettre en question des fois. La communauté, il faut vraiment que vous vous remettiez en question. C'est pareil avec la communauté sur YouTube, hein, c'est comme je faisais un peu le débat sur les likes et les dislikes et les personnes qui disent, qui commentent avec plagiat ou même des mecs qui insultent des filles parce qu'ils jouent aux jeux vidéo ou des trucs comme ça. Ça c'est une communauté entre guillemets de merde. Je pèse mes mots pour dire ça. Je pense que vous êtes entièrement d'accord avec moi. Après tous ceux qui sont pas entièrement d'accord avec moi, je veux tout simplement vous demander de me donner tous vos opinions en commentaire et me dire pourquoi ce n'est pas vrai. Personnellement, moi j'ai vu la communauté vraiment se dégrader. J'ai vu des personnes qui ne devaient pas forcément jouer à Call of Duty et qui ont joué à Call of Duty. Et du coup, le jeu est devenu vraiment
une merde. Sérieusement, une merde. Bah, le jeu en lui-même, déjà, on va dire qu'il passe. On va pas quand même insulter ou critiquer les créateurs, parce qu'il faut dire qu'il y a du travail derrière. Pour créer un jeu, il y a du travail derrière, faut l'avouer. Mais c'est surtout la communauté sur les jeux en ligne, que ce soit sur Xbox ou même PS3. Vous pouvez pas le nier. Après, si vous le niez, je vous ai dit, donnez-moi vos avis en commentaire. Mais personnellement, moi, je trouve que cette communauté s'est vraiment dégradée. C'est choquant. Moi, quand j'ai joué à MW2 pour la première fois, le jeu se déroulait vraiment très bien. Je jouais contre des mecs qui jouaient au sniper et des trucs comme ça. Et au fil du temps, les gens ont commencé à jouer au lance-grenade, ont commencé à faire des parties lobby, ont commencé à sortir des cheats. Et du coup, les parties devenaient quasiment injouables. Dans tous les cas, vous avez sûrement déjà dû jouer à MW2. Vous avez dû voir à quoi ressemble ce genre de partie. Et je peux vous dire que c'est assez chiant de jouer contre des gens qui passent leur temps à démolir les parties des autres et à casser le jeu. Ou alors, j'ai pas d'autre chose à dire. Bah si, j'ai d'autres arguments, je vais vous les citer, vous inquiétez pas. De toute manière, je crois que c'est le plus long débat et je crois que c'est le plus gros débat que je puisse faire en ce qui concerne dans ce genre de vidéo, hein. De toute manière, la communauté, c'est ce qui est important sur un jeu vidéo. Je sais qu'il y a tous ceux qui me suivent et qui ont moins de... comme je l'ai dit, qui ont 10 ans et qui jouent à Call of Duty, ils vont se sentir concernés, ils vont dire « Ouais, tu nous insultes et tout ». Loin de là, je vous ai dit, il peut y avoir... bah, je l'ai peut-être pas dit. Mais il peut y avoir très bien des joueurs qui ont 10 ans, que j'ai déjà rencontrés, ou même qui ont 10, 11, 12, 13, 14 ans, et que j'ai rencontrés. Et ces gens étaient vraiment bien. C'était des gens bien, c'était des gens matures. Et c'était pas des gens qui foutaient un peu la merde. Et que, dès que vous les rencontriez en partie, ils ne vous insultaient pas, parce que vous allez en recherche et destruction sur n'importe quel jeu. La personne, tu vas lui parler normalement, tu vas lui dire salut. La personne, elle va tout simplement te dire ta gueule, fils de pute. Pourquoi dire ça, sérieusement? J'ai une simple question à vous dire. Pourquoi je vous dis salut et toi, tu me trouves quoi comme réponse à me dire ta gueule, fils de pute? J'ai tout simplement envie de te demander pourquoi tu me dis ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Les mecs, personnellement, je ne lui ai pas répondu, je vais tout simplement demander pourquoi ils me disaient ça. Mais les mecs s'amusent quand même à vous insulter. Et pourtant, c'est pas des gens qui sont matures, parce que je sais que les gens qui ont à peu près mon âge et qui jouent à Call of Duty, j'en côtoie énormément. Je pense que ces personnes sont assez intelligentes pour ne pas répondre. Mais je vais tout simplement demander à tous ceux qui insultent comme ça dans les parties, juste parce que je t'ai tué ou même que je t'ai dit bonjour, pourquoi tu m'insultes? C'est ça que je veux dire, c'est pourquoi la communauté va tout de suite insulter. Je parle principalement de la communauté française, étant donné que la communauté anglophone, on va dire que je la connais pas forcément, parce que je joue essentiellement avec des Français, mais c'est la communauté française. Moi, je donne mon opinion sur la communauté française, vous me donnerez le vôtre dans l'espace commentaire, comme d'habitude. Et je trouve ça vraiment choquant que une communauté comme ça, qui était pourtant bien partie au début des jeux vidéo, je parle essentiellement de MW2 ou même de Code 4, pourquoi cette communauté s'est dégradée autant au fil du temps? C'est tous ceux qui ont vécu cette communauté sur Code 4 ou même MW2, où cette communauté était bien juste avant, faites-moi partager vos avis en commentaire. Est-ce que la communauté s'est vraiment dégradée au fil du temps? Personnellement, moi, je trouve que la communauté est maintenant à chier. Que ce soit sur Call of Duty, que ce soit même sur GTA. Sur GTA, moi, quand je vais dans des parties en ligne, je le dis franchement, des fois, ça me donne pas envie d'aller dans des parties en ligne. Même si parfois, je rencontre des abonnés dans des parties en ligne, ça me fait extrêmement plaisir. Mais des fois, ça me donne pas envie d'aller dans des parties comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs qui vont cheater. Parce que des mecs, ils ont des JTAG ou des trucs comme ça. Du coup, ils vont te faire chier tout le long de la partie. Ça va leur faire plaisir, ça va les faire rire, tant mieux pour eux. Mais après, au lieu de se faire plaisir à soi-même, il faut voir l'impact que ça a sur les autres joueurs. Parce que c'est bien beau de se faire plaisir une fois, ok, deux fois, j'accepte. Mais après, vous le faites une vingtaine de fois, faut vraiment pas abuser. Il faut à un moment se remettre en question et dire stop. Moi, c'est mon opinion sur la communauté.
Après, je veux pas parler des gens qui rage quittent tout simplement parce que tu fais une bonne partie ou que tu. Par exemple, je veux débloquer ma microstation, ce qui s'est passé dans la partie juste avant celle où j'ai commencé à enregistrer. J'ai sorti ma microstation orbitale x2. J'ai sorti deux microstations orbitales. Là, j'ai fait des mauvaises parties, ça arrive. J'ai sorti deux microstations orbitales. Au final, dans la partie, après, il ne restait plus qu'une seule personne en face. Donc, il y a une seule personne sur les 6 qui était, entre guillemets, fair play. Qui était vraiment dans le but de jouer et de s'amuser. Alors que les autres, dès qu'il y a une microstation, voire des chiens, voire un groupe de chasse, tout de suite, ça va être rage quit automatique. Et je ne comprends pas pourquoi. Moi, personnellement, une personne va faire une microstation, je vais être content pour lui. Il a géré sa partie, tant mieux pour lui. Mais pourquoi quitter? Ça va lui gâcher sa partie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a le ratio qui compte. En quoi, sérieusement? J'ai juste envie de vous poser une question. Là, c'est vraiment important. En quoi le ratio est important? Il n'y aurait pas de ratio sur Call of Duty. Ils n'auraient pas rajouté cette fonction rapport de combat ou ratio. Est-ce que vous rage-quitteriez? Franchement, est-ce que vous quittiez les parties? Est-ce que vous allez quitter les parties parce qu'une mec, un mec fait une microstation orbitale ou des chiens? Si le ratio n'existait pas. Dans le cas contraire, étant donné que le ratio compte, vous allez tout simplement rage-quitter parce que vous dites « Ouais, ben si je meurs trop, je fais une partie négative, je vais avoir un mauvais ratio. » Et alors? J'ai envie de vous dire « Et alors ?» Ça change quoi? Moi, je fais une très mauvaise partie, là, 17-26, pourtant, je ne rage-quitte pas. Je fais une mauvaise partie, ok, ça arrive. On peut pas être tous des boss, on peut pas tous gérer dans une partie, on peut pas gérer toutes les parties. Imaginez un peu si vous pouviez gérer toutes les parties, à chaque partie, vous faisiez un peu tout le temps la même chose. C'est-à-dire microstation, chien, etc. Sérieusement, est-ce que vous allez pas vous lasser de faire ça à chaque fois? Moi, personnellement, moi, je fais mes chiens dans une partie, je suis content. Mais en revanche, quand je fais pas mes chiens ou ma microstation orbitale dans une partie, là, je me rends compte qu'il y a du challenge et qu'il y a des gens qui ont mon niveau en face. Et du coup, à ce moment-là, ça me donne plus envie de jouer pour le plaisir. Et du coup, il y a vraiment du challenge. Vous allez me dire, c'est encore un peu pour la compétition, mais il y a quand même du challenge. Alors que si vous voulez tomber toujours contre des mecs qui... font des parties entre guillemets qui sont entre guillemets des personnes qui savent pas très bien jouer ou des personnes qui débutent sur GTA ou sur Call of Duty, à quoi ça sert de jouer contre ça? Au pire, vous allez en partie privée, vous jouez contre des bots et c'est pareil, hein. C'est exactement la même chose. Vous jouez contre des bots, vous les mettez en recrue, c'est pareil. Donc réfléchissez avant de quitter des parties. Dites-vous qu'il y a du challenge contre vous et qu'il faut l'accepter, qu'il ne faut pas quitter. Moi, une personne fait une bonne partie, je suis fier pour lui, je suis content pour lui. Des fois, ça m'arrive même d'envoyer des messages du genre GG quand le mec a fait une excellente partie. Vous, l'argument que vous trouvez, je dis pas tout le monde, l'argument que vous trouvez quand une personne fait des chiens ou une microstation, il a boosté, c'est un cheater, je rage quitte, c'est une merde. Et pourquoi vous diriez pas GG? Franchement, bravo mec. Je fais du 18-32, et alors? Ça change quoi? C'est quoi le problème? Je fais du 18-32, ok. Pourtant, j'ai fait une très bonne partie juste avant, d'ailleurs je vais vous la montrer. Quoique, non. On va continuer à faire une petite partie sur Raid. Je pense que le débat va durer encore pas très longtemps. J'espère. Après, c'est pour vous. Après, vous me direz vraiment tout vous avez en commentaire. Mais pourquoi vous allez rage-quitte une partie? Là, c'est vraiment la communauté qui est comme ça. Pourquoi vous allez rage-quitte une partie? Ça sert strictement à rien. Une personne fait sa microstation, tant mieux. Je suis content pour la personne. Mais vous, vous trouvez simplement l'argument de quitter. Regardez, j'ai 1,49 de ratio. Et pourtant, regardez, j'ai 1,49 de ratio. J'ai fait une très mauvaise partie. Et ça m'arrive de faire des très bonnes parties. Est-ce que je vais pouvoir voir ma partie qui était juste avant? Je ne sais pas. Je pense pas. Alors, où est-ce qu'on voit si... résumé de combat. Voilà, j'ai fait une partie juste avant. 2,33 de ratio, c'est ma partie sur Raid où j'ai sorti ma microstation orbitale. Donc là vous voyez MK48 à droite, en troisième position. Là vous dites, ouais Virtuos t'es un noob. Ok si tu veux, je suis un noob, ok. Moi j'aime bien la MK48, j'ai pas dit que je campais avec. Je rush comme avec la MCMCMC ou même avec la
AN-94, je rush avec toutes les armes, que ce soit une batteuse, un sniper ou même autre chose. Je rush avec n'importe quelle arme, il faut le savoir. Parce que beaucoup disent, ouais, tu joues à la batteuse, t'es une merde. Pourquoi? Pourquoi une personne qui joue à la batteuse, c'est forcément une merde? Pourquoi ces préjugés disant que tu joues à la batteuse, t'es une merde? Le mec, il a envie de jouer à la batteuse, il joue à la batteuse. Si les créateurs du jeu Activision ont mis cette arme dans le jeu, c'est pour qu'on puisse jouer avec. C'est pareil avec le C4. Je vais en recherche et destruction, je tue avec un mec au C4. La réaction qu'il a, le mec, fils de pute, nique ta mère, je pèse mes mots quand même. C'est incroyable comment vous pouvez insulter juste parce que je vous ai tué sur un jeu. Ah, excusez-moi, ça va blesser votre ratio. Et alors, comme je vous l'ai dit avant, est-ce que le ratio est vraiment important? Le ratio n'est pas important du tout. C'est des chiffres, c'est des chiffres. C'est comme le nombre d'abonnés, c'est des chiffres. C'est comme le nombre de vues, c'est des chiffres. C'est des chiffres, ce n'est rien de plus que des chiffres. C'est vous croyez pas que je suis énervé, loin de là. C'est comme sur tous mes débats, je suis exactement dans le même esprit. C'est-à-dire que je donne mon opinion et vous, vous devez donner le vôtre dans l'espace commentaire. Mais sérieusement, je vais insister sur le ratio. Ça change quoi d'avoir un ratio négatif? Est-ce que ça veut dire que t'as un ratio négatif, tu es une merde? Non, pas du tout. Regardez. J'ai un ratio de 1,49, j'ai fait une très très mauvaise partie. Et alors parce que les mecs étaient plus forts que moi en face, ok bah tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Moi je vais pas quitter parce que je me fais défoncer, ou alors je veux pas faire une interface ou éteindre ma console, tout simplement pour pas que mon score compte entre guillemets. Et du coup, bah du coup je préserve un peu mon ratio. Vous avez tout ce mot dans la tête. Je rencontre des joueurs en ligne, en recherche encore, parce qu'il n'y a que ce mode-là où je peux parler réellement avec des joueurs qui sont matures ou même des fois des gamins. Je pèse mes mots encore une fois. Donc j'ai rencontré d'excellentes personnes en recherche et destruction. Hein. C'était des gars matures, je me suis très bien entendu avec eux. Ah voilà, c'était l'histoire de 2-3 parties, on s'est bien entendu, fin de l'histoire. Ok. Mais, oula, toi t'es derrière. Non, non, oui. Ok, d'accord. Bref, j'en étais où? Oui, donc le ratio. Je vais faire une partie avec un mec en recherche. La première chose qu'il va faire, regarder mon ratio. Le ratio n'existerait pas. Qu'est-ce que vous feriez si le ratio n'existait pas? Il n'y avait pas de ratio. Ça changerait quoi? Vous allez voir son rapport de combat et voir à quelle arme il joue? Non, me dites pas que vous allez faire ça sur... Quand vous regardez le rapport de combat des gens, ne me dites pas que vous allez voir juste pour voir ses armes. Vous allez tout simplement voir son ratio. Et après vous vous dites, il a un bon ratio. Si le mec a un super ratio, vous allez dire, ah merde, je vais me faire défoncer, je quitte la partie. Je sais parce que je l'ai fait à une époque, je le faisais. Maintenant j'ai arrêté de le faire étant donné que je joue pour le plaisir. Avant je jouais exactement pour la compétition. Mais maintenant quand il y a du challenge, je l'accepte tout de suite. Mais les personnes vont voir que la personne a un excellent ratio juste en face. La personne, qu'est-ce qu'elle va se dire tout de suite? Je vais rage quit, je vais me faire défoncer, ça sert strictement à rien que je reste. Voilà la mentalité de la communauté sur Call of Duty en ce moment qui se base essentiellement sur le ratio. Et dans le cas contraire, si une personne a un mauvais ratio... La personne qui va voir le ratio en recherche et destruction parce qu'il y a chat de jeu obligatoire, la personne va tout simplement dire t'es une merde, tu sais pas jouer, t'as 0,40 ou 0,50 de ratio. Est-ce que ça veut dire que la personne, elle sait pas jouer? Ça se trouve, la personne, t'as beau avoir 3 de ratio, voire 4, 5, 6, je m'en fous. J'ai 0,50 de ratio. Si t'as boosté ton ratio et à chaque fois que tu fais des interfaces, tu es une merde, ça sert à rien. Tu peux dire ce que tu veux, t'as beau avoir 6 de ratio, mais ça change absolument rien, t'es une merde. T'es tout simplement une merde, parce que des merdes, des gens qui font rush kit ou qui font interface, c'est des merdes. C'est des personnes qui acceptent pas du tout les parties et qui acceptent que dalle sur Call of. Faut le savoir, c'est vraiment très important. Donc vous ne vous fixez pas au ratio parce que ce n'est que des chiffres, encore une fois, je viens de le dire. Toi, je t'ai entendu.
Donc voilà, c'est que des chiffres, hein. Le ratio, c'est que des chiffres. C'est un chiffre, c'est 1, quelque chose, 0, 2, quelque chose. J'ai juste... Pourquoi la communauté se base sur ça? Tout simplement. Voilà, c'est ma plus grosse question sur ce débat. Pourquoi la communauté se base sur le ratio? Et même, on me l'a fait sur GTA. Je tue des potes à moi. Des potes à moi, je les tue. On est ensemble, on est en groupe d'amis, je les tue. Oh non, arrête de me tuer, tu vas faire baisser mon ratio. Mais est-ce que vous rendez compte que vous vous basez sur deux chiffres? Un ratio, ça va changer quoi dans votre vie? Là, la grande partie, la dernière partie du débat concerne vraiment le ratio. Pourquoi? Sérieusement, le ratio, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Moi, le ratio, ça change absolument rien. Regarde, là, avant, j'ai fait une mauvaise partie, je fais du 15-13. C'est pas une partie excellente. Je vais pas dire que c'est une horrible partie. C'est une partie potable. Et pourtant, je ne rage-quitte pas forcément. Je vais pas insulter la personne, tout simplement parce qu'elle a matché au sniper. Au contraire, les gens qui jouent au sniper, je les respecte et je les applaudis même. C'est un respect total pour moi, les personnes qui jouent au sniper. Parce qu'ils ont quand même la foi et la motivation pour jouer au sniper. Parce que la communauté, on va pas dire que la communauté a réellement envie de jouer au sniper. Parce que le sniper, on va se le dire, c'est quand même pas quelque chose qui est facile. D'ailleurs, je vais y jouer 2 minutes, histoire de vous montrer un peu mon niveau. Je dis pas que j'ai un niveau excellent. J'ai mon niveau. Voilà, ça s'arrête là. Mais, du coup, voilà. Non, oui, donc j'ai vraiment un niveau de merde. De toute manière, je pense avoir tout dit pour ce débat. Donnez vraiment tous vos avis en commentaire. Je sais que la vidéo est extrêmement longue, mais j'avais énormément de choses à dire sur la communauté, donc que ce soit sur Call of. Mais là, j'ai principalement parlé de la communauté Call of Duty la communauté française. Mais donnez vraiment tous vos avis dans l'espace commentaire. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Likez si ça vous fait plaisir, je veux pas arrêter le gameplay ici, hein. Je veux pas m'arrêter en cours de partie. On va continuer le gameplay, je vais commenter la partie comme il se doit. On va faire un petit commentary à l'ancienne, comme on a tous commencé un peu sur Call of Duty, sur YouTube, hein, parce que moi j'ai commencé avec des parties commentées sur Call of, hein. Oui, je le nie pas, j'ai commencé comme ça et donc on va commencer. Donc, on va faire en mode, comment dire? Bah le mec il commente une partie en fait, donc le mec il a un lot star, ok super. Mon micro vient de s'éteindre donc je n'entends plus du tout le jeu, ça me perturbe psychologiquement. Oui, une dernière question qui n'a strictement rien à voir avec le débat. Est-ce que vous pouvez jouer sur Call of sans le jeu? Personnellement moi je ne peux pas. Jouer sur Call of sans le son du jeu, je n'arrive pas, c'est... C'est pas une question d'entendre les gens ou des trucs comme ça, les pas des gens, parce que j'ai un triton, ok, j'entends les pas, etc. Mais c'est pas une question de ça, c'est juste que je n'arrive pas forcément à jouer sans le jeu. Il y a que sur Call of Duty où ça me fait ça. Si c'est sur GTA, je vais pouvoir jouer sans le jeu sans aucun problème, étant donné que je fais des vidéos où, quand je rec une vidéo, j'écoute tout simplement de la musique dans mes... j'ai un casque, hein, j'ai mon triton, j'ai mon casque JVC. Et j'écoute tout simplement de la musique. Et du coup je joue à GTA, je fais mon petit gameplay tranquillou. Je fais mes courses comme pour ma chaîne secondaire. D'ailleurs je vous invite à m'y rejoindre et à me rejoindre sur Facebook et Twitter, hein. Donc les liens se trouveront tous dans la description. La partie va bientôt se finir. Vous voyez un peu mon niveau sniper. Donc là les mecs sont quand même assez déter parce qu'ils font déjà une excellente partie. Le mec avait eu un lot star, d'ailleurs je le félicite parce qu'un lot star c'est mérité. Si une personne arrive à débloquer son lot star par n'importe quel moyen, c'est quand même mérité. S'il l'a eu, c'est qu'il l'a mérité. Oui, voilà, donc un exemple fétiche, un exemple de sur Call of Duty. Ça vous est sûrement déjà tous arrivé si vous jouez souvent au sniper. Donc tu te retrouves face à un mec qui est au sniper. Le mec va même pas essayer de te rentrer une seule balle, le mec va tout de suite sortir son arme secondaire. Mais pourquoi? Pourquoi tu vas sortir ton arme secondaire alors que tu es au sniper? Là c'est encore un truc de la communauté qu'il faut changer. Pourquoi tout de suite sortir son arme secondaire? Encore tu fais un flash cop, tu fais un hitmarker. Ok, là j'accepte. Moi ça m'est déjà arrivé, je fais des hitmarkers. Je sors mon arme secondaire, même si j'en ai pas, mais on s'en fout.
Mais là, le mec, vous l'avez bien vu, il m'a déjà mis une charge électrique. Il a même pas essayé de me faire un flashcope ni de me tirer une balle avec son sniper. Il a tout de suite sorti son arme secondaire pour me buter. Pourquoi? Voilà, je pense avoir tout dit pour ce débat. Donnez vraiment tout vos avis dans l'espace commentaire. Ça m'est vraiment très très utile et ça m'aide à avancer. Et surtout, ça me permet de voir un peu. Attends, communauté zombie, Treyarch, ma chaîne. Où est-ce qu'on peut voir les. Ah voilà, mode studio. Choisir une partie, partie récente. Je vais vous montrer un peu la partie que j'ai fait sur Raid juste avant de commenter ce gameplay. Donc voilà, j'ai fait du 30-15. J'ai commenté ma vidéo. J'ai fait des sales scores. Ok, ça arrive. Regarde, j'ai fait du 25-20. Ok, j'ai un de ratio. Là, j'ai fait combien? 18-32. Ça m'a pas empêché de rage quit. Moi, je joue pour le plaisir. Je ne rage quit pas. J'ai fait du 22-31. Et pourtant, j'ai quand même fait 22 kills. Là, j'ai fait 18 kills, 25 kills, 35 kills. Et pourtant, j'ai bien joué. Et les personnes en face, eux, ont rage quit. Donc voilà, vous balancez tous vos commentaires dans l'espace commentaire, tous vos avis aussi. Est-ce que vous trouvez que la communauté s'est beaucoup dégradée? Donc je vais surtout toucher la communauté qui a joué et qui a à peu près mon âge et qui a joué à Call of Duty 4 et à Modern Warfare 2. Dites-moi en commentaire si vous trouvez aussi que la communauté s'est beaucoup dégradée sur Call of Duty, mais aussi sur les jeux vidéo, parce que je parle pas forcément de Call of Duty. Bon, certes, dans le gameplay et dans la vidéo, j'ai parlé essentiellement de Call of Duty, mais je parle surtout en général. C'est la même chose sur Battlefield, même sur Battlefield, c'est des gens plus matures. J'ai parlé un peu de GTA V, voilà, tout simplement. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce débat. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Lâchez vraiment un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires pour me donner tous vos avis. Partagez-la sur Facebook et Twitter pour que vos amis me donnent leurs avis aussi, parce que c'est très important. Moi, je vous retrouve dans de prochains débats ou de prochaines vidéos de glitch ou d'astuces ou même de délire. Allez, ciao bébé tout le monde. Et merci d'avoir regardé cette vidéo en entière. Et merci de m'avoir écouté, d'avoir donné votre avis. C'est très important pour moi parce que la vidéo est quand même très très longue. Je remercie tous ceux qui la regarderont. Jusqu'à la fin, merci beaucoup. Allez, ciao bébé tout le monde.